l'hôpital. Il est 7h48 du matin, le 4 mars. Je me suis réveillée tantôt pour aller faire pipi, puis ça a fait... puis j'ai perdu du liquide. Je pense pas que c'est ça. Mais pas de manière significative. Mais pas genre... comme dans les films. Puis ça m'est jamais arrivé de pas perdre ça de même. Fait que là, je les ai appelés, puis ils m'ont dit de... j'ai pas le choix de venir pour me vérifier. Là, parce qu'en plus, ça fait 3 jours que tu as des contractions de... 3 jours que j'ai des contractions de feu. Comme si je m'en allais accoucher. Mais j'ai des épisodes de contractions régulières. Et après ça, ça l'arrête. Ça prend un break pendant une couple d'heures. Et ça recommence. Mais là, depuis 2 heures à matin, je n'ai à peu près aux 10 minutes. Matin, hein? Depuis 2 heures du matin, ce matin. Ouais, c'est ça. Je n'ai aux 10 minutes régulières qui font mal. Genre qui m'ont réveillée. C'est ça parce que tu t'es pas rendu compte, mais j'ai pas dormi de 2 à genre. Non, désolé, t'aurais dû me réveiller, c'est ça. Non. En plus, les enfants dormaient avec nous. Ouais, c'était un petit spécial game night hier soir. Ils sont endormis, nous. Non, mais je suis pas nerveux, moi. Moi, ça va bien. Moi non plus. Moi, ma priorité, c'est la petite, là. T'sais, moi, je t'allais te... bouge moins, fait que là, je suis comme... Moi, je suis comme tanné de te voir avoir mal, par exemple. C'est vraiment... c'est plate, là. Ouais, puis moi, je suis tanné parce que je passe mes journées couchées, là, parce que ben ça non, fait trop ça, mal. C'est plate, là, pour toi. Tu sais, je me couche sur le côté gauche, ça, les contractions n'arrêtent pas. Pour toi, là, je parle. Ben oui. Ceux qui ont déjà couché, ils savent, là. Quand tu te couches sur le côté gauche, les contractions sont censées arrêter, ça l'arrête pas. Le bain soulage, mais ça l'arrête pas. Là, à un moment donné, c'est comme... Est-ce des vraies contractions ou pas, là, tu sais? Ça n'a pas d'allure. Ah ouais. Quand tu on arrive à l'hôpital, j'ai mal au cœur de stress. Je te laisse ici. J'ai envie de vomir. Je te laisse ici, j'ai le temps d'aller me stationner. Tu me trouves pas ces 4 flasheurs, là? Y a-tu des parkings proches? Je peux marcher. Tu veux marcher? Ben, choisis. Qu'est-ce que t'as mieux? Ben, est-ce que tu proches les parkings ou? Y en a des proches, là. Y a vraiment. On va marcher. Ça va faire descendre. Go. Je me prends mon petit ticket. Priscilla, elle veut. Marcher finalement parce que elle veut faire descendre la petite là. Pas de pour rien là. J'espère que tu m'as pas fait perdre mon temps à toi. Oh, excuse-moi, c'est une blague. Hein? T'as pas l'air d'être drôle. Non, je sais, mais là je suis comme un petit peu concentré. Excuse, c'est pas le temps de faire des blagues, man. T'avais des places là, c'est parce que je regarde les places. Ben, moi aussi là, mais j'essaie d'avoir une place proche. Là. Donc on vient d'avoir. La confirmation que j'ai bel et bien fissuré la poche des os. Donc on reste. On reste. À 100 vies. Le 4 mars. Puis il est 8h30 du matin, fait qu'il y a des chances qu'à soir on l'aide dans nos bras, j'imagine. Mm-hmm. Je peux pas le croire. Après toutes les fausses couches, genre, mon Dieu, je vais me mettre à brailler. C'est à cause du tout. Même que tu te dis genre, ah, c'est pas genre. De ta faute, hein? Non, pis pas juste ça, tu sais, genre, ah, ben, tu sais, il était tout petit, genre, oui, mais tu sais, tu le voulais quand même, cet enfant-là, tu comprends? Mm-hmm. Surtout les arrêts, le curetage, les arrêts, tout ouais. Ça a été comme vraiment genre traumatisant. Mm-hmm. Parce que tu sais, on pensait plus l'avoir. Hein? On sait plus jamais avoir de bébé. Hey, on a attendu 1 an? Ouais. J'ai de la misère à croire qu'on va avoir un bébé. C'est ça. Oh là là. Je viens de dire à Priscilla qu'on va pouvoir boire de l'alcool en fin de semaine, qu'on va faire le party. Elle est toute contente. Non, mais ça fait longtemps. Savez-vous ce que je fais? Je me commande du shaker, un tartare. OK? Et. On se prend une bouteille de champagne. On va s'acheter une bouteille de champagne. Mm-hmm. Puis, mais je peux pas. Faut que je time, par exemple, parce que si je l'allaite. Ah, ouais, ouais, ça va. Non, mais. Puis entre les bois, là. Ouais. Je sais pas, il y a une manière de calculer ça. Là, je viens de prendre un Cytotec. Ça, c'est. Aouh! T'en as une? Je la sens venir, genre. Bon, après une contraction. Je viens de prendre un Cytotec. Parce que, c'est ça, mes contractions, ils étaient comme pas régulières, puis tu sais, on veut juste faire bouger les choses, là. Ouais, c'est ça, pas faire, faire perdre de l'énergie, c'est à toi, c'est là, ça. Puis j'ai pas déjeuné. J'ai pas eu de café. Moi, t'as eu de la glace. Oh, t'as fait un pipi au fond. Puis il est dégueu, il est genre full content. Oui, puis j'arrête pas de... Je leur disais, hey, ouais, le pipi, j'espère qu'il le prenne, puis il le ramasse pas. Je suis comme... Mais là, on va changer de chambre dans pas long. C'est ça. J'allais chercher les valises en même temps. Là. On les a laissées dans l'auto. Ouais. C'était que ça va faire ouvrir mon col, me faire starter mes contractions. Vraiment, pour aider mon col à ouvrir et tout. Hein.
parce que j'ai perdu mes os. Mais là, j'ai pas encore vraiment de contractions full. La docteure qui va probablement s'occuper de mon accouchement, j'ai quand même des petits docteurs que j'ai des préférences. Comme... Ouais, puis c'est celle-là que t'as... C'est elle que j'ai eue. Ben, c'est elle qui a accouché de Ezekiel et de Mariana. C'est vraiment fine, elle a comme le petit côté humain de plus. Là. Puis tu sais, genre, là, j'aurais dit, j'ai genre peur des maladies, des... pas des maladies, mais tu sais, genre, des... plein d'enfants, des niaiseux. Là. Elle a jamais un autre. Elle s'est rapprochée. Je peux te confirmer que c'était aux 5 minutes parce que mon vidéo dure 5 minutes. Ok, là on vient de nous transférer de chambre. On est maintenant en salle d'accouchement. Là, ils viennent de... comme de se dépêcher parce que ça va vraiment vite. Et Priscilla veut l'épidurale, donc ils vont faire des démarches pour qu'elle aille rapidement parce que sinon ils n'auront pas le temps. Elle a eu son épidurale. T'es contente de chier? Soulagée. T'étais tellement contente, elle pleurait tantôt tellement de joie, genre. Je pleurais tellement j'étais grateful. En tout cas, non, ça, c'était ça, l'épidurale. Le fil s'en va dans son dos. Là, j'ai juste le shake. C'est le stress, les émotions qui relâchent. Moi? Je sais pas. Faut qu'il se dépêche, elle est rendue à 9. 9? Genre, dis-leur que ça pousse quand même fort, là. Ça pousse quoi? Attends. Midi 5, excusez-moi, oui, excusez-moi, je suis tout énervé. Bon, excusez-moi, madame. Allô? Elle est sortie un matin, quand je suis partie à l'hôpital. Sais-tu combien de fois que j'ai poussé pour la sortir? J'ai poussé une fois. Ma poussée, il a fallu que je la recommence. Ben, pas recommence, mais je l'ai comme... J'étais crampée. Parce que j'ai dit, je leur ai dit, genre, je sais plus comment pousser. Puis mon Dieu, elle sait plus comment pousser, elle est en train de l'avoir. Alors, chérie, qui se met belle déjà? Non, mais je voulais pas être trop pocketée. Skincare continue, même à l'hôpital. Non, mais Chlorane m'avait envoyé des patchs sous les yeux, puis j'en avais emmené quelques-unes. Présentement, si vous demandez où est Madison, elle est dans mes bras. Mais je vous la montre pas de poche tout de suite. Je suis pris, puis j'ai faim, là. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas déjeuné, il est rendu. Je vais attendre qu'il vienne te déployer. C'est ça. Je t'ai donné, vous allez acheter des affaires en bas. On attendait que je fasse un premier pipi. Pour être débranchée de cette solité-là, c'est parce que je peux pas bouger ma main, genre, ça. Là, ça crie plus. En tout cas, tantôt, ça criait. On est arrivé à matin, à 7h du matin, je me lève de mon lit pour faire pipi, puis ça fait 3 jours que je suis en contraction intense à la maison, mais régulière pendant des, genre, 1 heure ou 2. Après ça, ça l'arrêtait, ça recommençait, ça l'arrêtait. Fait que là, c'était en phase de latence, qu'on appelle. Mais ça a fait travailler mon col. T'es en forme, t'as pas d'allure, je te regarde aller, c'est fou, là. Je suis top shape. Genre que je suis comme, ça se peut pas, non mais, en tout cas, bref, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, j'ai eu, fait que je suis arrivée ici, puis j'avais un bon 4, puis j'étais effacée, mais à 7h du matin, c'est ça, je me lève de mon lit, excusez, je suis mêlante, je me lève de mon lit pour aller faire pipi, puis ça a fait comme, pshht, dans ma culotte, mais comme, pas genre, pshht, tu sais, pas une flaque, je m'attendais à perdre mes os de même, moi, ouais. Tu comprends? Fait que là, finalement, j'arrive... à la salle de bain, mais là, j'ai vu que ma culotte était mouillée. C'est plein de détails, là, mais regarde, je la vis. D'en avant, en arrière. Fait que là, j'ai fait comme, ok, c'est sûr que c'est pas du pipi, là. Mais tu sais, j'étais comme, j'avais aussi d'autres pertes. À ouais. Cause que là, ça travaillait, mon col travaillait depuis plusieurs jours. Fait que j'appelle à l'hôpital, ils m'ont dit, on vient vérifier au cas parce que je peux pas te laisser comme ça. Si, genre, si tu commences à perdre tes os, même si je suis pas grand chose, faut que tu restes. Là, finalement, à l'hôpital, j'arrive, elle était pas certaine que c'était ça, hein, au début. Non. Elle dit, ouais, on dirait que c'est ça, mais je vais revérifier encore. Il y a fait un test sur le liquide que tu perdais, alors. C'est ça, puis là, à un moment donné, j'étais couchée sur le dos, puis je me suis juste replacée dans le lit. Puis là, ça, j'ai dit, oh, ça coule. Fait que là, elle a dit, oh, elle a mis son. Ils ont un test, une petite languette. Mm-hmm. Puis là, elle a dit, c'est vraiment ça. Fait que là, je retourne pas à maison. C'était sûr. Ça, il était rendu 8h30. Bon, on peut pas 8h30, mettons.
Non, 8 heures. 8 heures que ça se peut. Une nuit, ouais, ok. Mais puis là, après ça, ils m'ont donné, ils ont décidé de me donner une cystothèque juste pour aider que le travail embarque parce que j'étais pas régulière, ça arrêtait pas de. Puis ça me faisait mal, là. Fait qu'à 8h30-40, j'ai eu une cystothèque. Là, 10 heures, je commençais à être plus capable. Puis là, j'ai dit, moi, c'est parce que j'ouvre demain. Quand ça commence, ça commence. Puis je voulais avoir l'épidurale. Fait que là, finalement, on a collé l'épidurale. Elle est arrivée super vite, la madame. Puis elle a fait une job de feu. Oui. J'étais super bien gelée, mais je pouvais bouger mes jambes. Je chantais mes orteils bouger. Tout, c'était incroyable. Là, c'est allé. C'est allé, mes amis. Je suis partie de. La dernière fois, j'étais en 5, un bon 5. Ouais. Là, j'ai eu l'épidurale. Une demi-heure après, j'ai poussé. T'étais à 9. Elle est sortie à midi 4. Ouais, midi 5. Non, midi et 5. Midi et 5, excusez. Midi et 5, mais j'ai poussé midi et 4 une fois. Ils m'ont dit une poussée. Fait que, en tout cas. Ok, puis je suis genre en pleine forme. Là. J'ai pas dépensé d'énergie pendant tout. Là. Non, ça se voit, là, dans ton. Tu fais mieux que chez nous hier, genre à la maison quand t'étais plus capable. Là. Mais oui. Madison, tu nous interromps. Arrête de parler. J'ai un peu mal à la tête puis je suis fatiguée, mais j'ai pas de café. T'as pas mangé. C'est ça, fait que je vais te donner bientôt. Il va arriver l'infirmière. Ouais, ils vont me débrancher puis là, je vais pouvoir reprendre plus ma vie normale. Madison, t'es vraiment assistante. Là, c'est pas drôle. T'es pas fine, là. Mais non, c'est des blagues. C'est des blagues. Non, à grince. Hey, je pleurais tellement, là. C'est quand je me suis mis à pousser. Puis quand le docteur est arrivé, tu t'es mis à pleurer, t'es comme, je peux pas croire que ça se passe là. Ça va ben trop bien, là. Tu sais, j'ai eu mal, mais genre, j'ai eu juste peur, par exemple, de ne pas avoir le temps d'aller avoir l'épidurale. Je sais pas comment vous faites, ceux qui accouchent pas de l'épidurale. Oh, misère. Bon, alors là, c'est l'heure de manger. Évidemment, je ne vous montrerai pas le repas de Dodone parce qu'elle est en train de manger, mais je serais démonétisé si je vous montrais son repas. Excuse-moi, je suis encore interrompu par Dodone. Je vais vous montrer, nous, notre assiette. Alors, je ne vous montrerai pas maman, elle est juste là. Et on a pris une salade César à maman avec un spaghetti, une barre au lait, des petits pains et du beurre. Avec des laits au chocolat. Moi, ça, c'est mon spaghetti. J'ai la même chose que Priscilla. Ça a l'air vraiment bon. Priscilla, elle n'a pas encore fini son gelo. Et moi, j'ai commencé à boire mon lait au chocolat. Genre, j'étais toute prise avec mes filles. Je peux pas te filmer, toi. On a fait du FaceTime, puis tout. Mesdames et messieurs, tout le stock que Priscilla a amené dans sa valise d'hôpital commence à servir. La petite femme. Ça fait 2 carrures à ce que je peux que je mange. Ça fait du bien de manger, chérie. J'avais faim, là, mais sur un temps, là. Alors là, maman s'apprête à utiliser Alexa. C'est pas une sourire de tout le monde, je vous le dis tout de suite. C'est juste qu'on niaise parce que. Elle peut parler aux enfants. À distance. Ça, elle va parler aux enfants à travers Alexa. Ils vont faire le saut. Les enfants, Dodone, elle demande d'écouter votre grand-maman et d'aller vous coucher. On vous aime. Ils vont faire le saut. Maman aussi. Genre, j'avais oublié à quel point, là, mais. L'odeur d'un bébé naissant, oh, ça sent bon pis c'est doux, oh my god. Ça paraît que je suis le gars le plus heureux du monde en ce moment, c'est incroyable. Ouais. Ben, ça a bien été fait. Vous direz pas mon highlight postpartum? Ben oui, je vais faire. Sure. Es-tu en forme la bonne femme? Elle est en train de faire ses photos Instagram, ses highlights d'Instagram. Non, mais en vrai, genre, parce que je suis plus, ben plus en forme pas enceinte. Là. Ouais. Moi, c'est... enceinte là, sur mon corps, ça m'en demande tellement, c'est ça que je me rends compte. C'est après, là, c'est même pas... J'imagine tout le monde, là. Alors, dans le prochain vidéo... Demain, on va reposter une autre vidéo. Ça va être le jour... le premier 24 heures de Madison. Ouais. Là, on va tout bien la nettoyer. Puis, on va vous montrer son visage. Oui. On va vous la présenter officiellement. Oui. Et après, c'est de la réaction des enfants quand on la porte à la maison. Et tout le monde, on vous aime. On vous aime. À demain, tout le monde. Vous allez avoir une vidéo demain. C'est un spécial, hein? On a été moins actifs dernièrement. Vous allez être récompensé. Priscilla, elle est en feu. Elle est plus en feu que moi. Là. Alors, je la vois. En tout cas, vous l'avez vu tantôt, c'est vrai. Elle s'est comme arrangée le dessus des yeux pour bien paraître. Puis tout ça. Puis comme prendre soin d'elle. Puis tout ça. Non, mais je veux pas m'oublier. Genre, j'ai pas vu Priscilla comme ça. Là, vous la voyez pas au complet. Là, comment elle est. Puis comment elle est comme énervée. Puis bonne mort. Mais j'ai pas vu Priscilla comme ça depuis 9 mois. Non, mais moi, là, genre, ça me stressait tellement pour vrai. Là.
Non, non, mais je l'ai jamais vu de bonne humeur de même. Ben, j'ai déjà vu, mais ça fait 9 mois. J'avais peur des complications, puis genre un enfant. Quoi, t'as pas des maladies des cauchemars la nuit. Ouais. C'est ça. Dès qu'elle lisait une petite affaire ou une vidéo sur TikTok qui faisait peur, là, elle était partie une couple de jours. Elle a pas bien fini. C'est ça, exact. Fait que moi, là, comme que tout se soit bien passé, puis que ça soit fini, puis tout, c'est genre un relief, là. Là, c'est comme là, vous m'avez. Ah oui, j'avoue, je te vois, c'est pour ça que je te connais, là. C'est pour ça que je te reconnais. Je suis comme. Oh my god, là, le tabarnouche, c'est. Ah non, mais je suis enceinte pour vrai. Je pense que toutes les mamans peuvent se reconnaître, là. On se perd, mine de rien, un peu. On est quitté, plus, qu'est-ce que tu ressens? Tu sais, on n'est plus 100% nous. Je sais pas comment expliquer ça. Tu veux donner un update? À date, j'ai utilisé le kit Freedom. Oui. Oh my god. Et même les infirmières, ils capotaient. C'était comme, oh my god, c'est dommage cette affaire. Je sais, genre, à date, là, présentement, j'ai genre une serviette sanitaire qui est froide. Avec. Elle absorbe aussi, genre. C'est capotant. Okay, tu me regardes, mais moi je peux pas non, comprendre. Je sais pas pourquoi je te regarde quand même. Mais non, mais je comprends rien dedans. Mais genre, c'est capotant, là. Ah bon. En tout cas, le kit, là, ça vaut la peine de dépenser. Je pense qu'il est 60 cubes sur Amazon. Capotant. Celui que j'avais montré dans ma valise d'hôpital. Ouais, la boîte mauve et blanche. Ouais, la boîte mauve et blanche. Vous allez voir le reste demain. On vous aime. Merci bye. D'être là. Mais oui. Bye.